Hey yo! C'est Wouwou! Donc en fait, si vous voulez, j'ai découvert l'autotune. Enfin, j'avais déjà découvert l'autotune en fait. Avec notre cher. Comment il s'appelle encore? J'ai oublié son nom. Vodka Pro. Yotke. Oh, j'ai oublié son pseudo, je suis vraiment désolé. Je sais plus, j'ai une perte de mémoire. Vous savez que. C'est Vodka. Yotka. Enfin. Vous savez de qui je parle, je suis vraiment désolé, c'est un trou noir que j'ai ici. Donc vous savez sûrement de qui je parle. En bref, il fait des musiques sympas avec de l'autotune. Et au début, je trouvais ça bête parce que je me dis, mais il fait de la musique, il est passionné de musique et tout ça, pourquoi il utilise de l'autotune? Et jusqu'à maintenant, je comprenais pas vraiment pourquoi les gens faisaient ça. Bah en fait maintenant si, je viens de trouver une application sur mon smartphone qui permet de faire de l'autotune. Et tu peux même avoir carrément mettre de la piste, de la musique audio. Et du coup c'est fun à faire. En fait c'est juste que c'est fun en fait. Et en plus c'est harmonieux, mais même si c'est de la triche, certes. Mais c'est harmonieux et c'est fun à faire. Donc ici j'ai prévu de faire peut-être un petit album pour le fun avec de l'autotune à fond. C'est vraiment pour le fun, hein. C'est vraiment du kéké. C'est vraiment du 100% kéké, mais c'est vraiment pour le plaisir, le fun, parce que ça m'amuse. D'ailleurs, quand vous allez entendre la musique, c'est vraiment pas du tout du sérieux, hein. C'est vraiment du planté, du buggé. Enfin voilà, c'est vraiment pour le fun, donc j'espère que ça vous fera rire. Tant mieux, c'est le but, et c'est aussi, j'espère que vous la trouverez sympathique quand même aussi, malgré tout. Après, la musique, elle est pas horrible à écouter, hein. Mais en tout cas c'est clair que je préfère chanter avec cette autotune que la vraie voix que j'ai, que je supporte pas. Et c'est ce que je comprends aussi pour certains chanteurs en fait. Je commence à comprendre les rappeurs qui ont du succès et tout ça. Faut pas les en vouloir en fait, c'est comme moi, j'assume pas ma vraie voix. En tout cas apparemment le mec qui avait chanté dans... Excusez-moi, j'ai une coupure. Donc comme je dis, il y a un gars qui avait chanté... Le truc Blockflix, je sais pas quoi, Yo Blockflix, je sais pas dire non plus, je suis désolé, les rappeurs là en fait, beaucoup de gens adorent, et je commence à comprendre pourquoi. Moi sincèrement ça m'intéresse pas, parce que voilà, je peux faire mes propres musiques moi-même, comme ça au pire. Mais en tout cas je comprends leur démarche et le fun derrière, l'intérêt marrant qui est sympa à faire. Parce qu'en fait c'est aussi surtout parce que tout le monde peut le faire, du coup c'est plus fun et c'est plus jouissif en fait, dans le sens que si tu sais pas chanter, ben il y a des chanteurs que tu admires mais tu peux pas les répéter, enfin tu peux pas t'amuser à faire comme eux, donc du coup c'est plus frustrant. Donc il y a peut-être aussi ça qui fait qu'ils ont plus de succès que par rapport à d'autres. C'est pareil pour Jul, enfin après Jul j'aime pas du tout, hein. Mais je comprends. Je comprends l'idée de la musique, même si c'est pas ouf, c'est pas mon style, enfin je préfère faire mes musiques à moi, comme j'ai dit encore une fois. Mais sincèrement, j'ai plus rien contre ces gens-là, du coup maintenant, je commence à comprendre l'idée. Même si c'est clair, c'est mille fois mieux de pouvoir chanter bien et tout ça, mais bon, le problème c'est que je chante pas super bien, et du coup, je suis obligé de tricher. Pour avoir une voix correcte, ou j'aime pas du tout ma voix non plus en fait aussi. Donc du coup ça permet de trafiquer ma voix et du coup on sait plus trop que c'est ma voix. Donc voilà, comme ça vous savez pourquoi je fais de l'autotune. Et aussi c'est pour le fun. Alors bonne lecture. Donc la première, premier truc c'est quand je teste. Et après, où je dis que c'est pas bien l'autotune, mais bon, après en fin de compte je fais des musiques. Et la deuxième c'est avec la première musique de mon album de Wouwou. Wouwou City. Bonne lecture. You what you weigh. L'autotune c'est mal. Regardez comment ma voix est trafiquée. Bande de trucs. Eh oui, c'est pas bien de utiliser l'autotune. C'est complètement non créatif. Surtout quand tu le fous complètement à max. You what you weigh. Bande de wouwou. Do what you weigh. Bande de trucs. C'était marrant. Peu importe les jours, je m'ennuie toujours. Je ne sais pas quoi faire, je m'ennuie beaucoup. Je me demande quelquefois, qu'est-ce que je pourrais faire chez moi. Vous aussi, moi aussi. Et la vie est compliquée. Je sais pas quoi faire.
baisse de gros ouais qu'un petit ou c'est moi. Il y a souvent des jours où je m'ennuie. Je ne sais souvent pas quoi faire pour m'y remédier. Mais je ne promets de rien, je fais rien pour y reprendre. Je chante un peu en yaourt parce que je ne sais pas quoi dire du texte. Cette musique est du test. Qu'est-ce que je ferais si je me retrouvais complètement seul, sans personne? Je me le suis souvent demandé, mais j'ai jamais trouvé. Le résultat de mes recherches ne tombe que sous la propre solitude. Je suis solitaire, toujours solitaire. Je suis une petite truite complètement abandonnée. Mais personne ne veut de moi. Tout le monde me quitte et m'abandonne comme une vieille chaussette. Une espèce de chaussette. Vous pensez me connaître, mais je suis comme tout le monde. Mais je suis très sensible et je sais pas quoi sentir. Ça fonctionne bien cette appli pour faire des musiques sympas, mais ça sert un peu à rien ce que je fais. Je vous dis à bientôt, à bientôt, à bientôt. Yes, j'espère que cette petite musique complètement buggée vous a plu. J'espère que ce petit délire vous a plu. C'est vraiment pour le fun. Il n'y a rien de sérieux, hein, bien sûr. C'est vraiment parce que c'est amusant. Essayez aussi si vous trouvez un logiciel autotune. Vous allez comprendre de ce que je parle. C'est... En fait, c'est trop facile à faire de la musique un truc de ouf, quoi. Et avoir du bon son, enfin, de la, une bonne voix, je veux dire, c'est trafiqué, oui, mais vous avez compris où je vais en venir. Je commence à comprendre pourquoi Jules et d'autres, Beatful, c'est pas quoi là, on réussit facilement. La plupart des gens qui n'ont pas du tout l'oreille musicale ou qui sont, enfin, les gosses et tout ça, bah, ça fonctionne super bien, quoi. C'est cool pour eux, en tout cas. Donc voilà, j'espère que cette petite musique vous a plu et c'est tout. Enfin, j'en ferai d'autres, c'est vraiment pour le fun. Et j'en ai rien à cirer si je reçois des pouces rouges ou des pouces verts. Enfin, des pouces verts, oui, mais si c'est des pouces rouges, je m'en fous. Moi, je m'amuse. Ça m'amuse. Je suis content, c'est tout. Ça m'amuse, c'est fun et tout ça. A bientôt, c'était Monsieur Wouwou.